La terre m'a vomi, la mer m'avale, les cieux m'espèrent. Et maintenant que je reprends les esprits, je ne vois rien. Je veux voir la suite de mes souvenirs. C'est un voyage avec uniquement un aller, oui. Un aller sans retour. Je vois d'abord notre ville, Mutsamudu. Des délices juvéniles. Il s'appelle Voraz. Je sens l'odeur de la mer et savoure ce baiser. Ça se passe comme ça pendant plus d'une semaine. C'est irrésistible. Je suis enceinte et je veux que personne ne le sache. Et si je voyageais clandestinement pour Mayotte? Tout est flou. Je me tourne vers l'eau et vois cette route écumante creusée par le Kwasa Kwasa. Je ne suis pas sensible aux affres de la mort. Je n'en ai pas la moindre peur, ni souci, ni regret. Mais je dois au moins me dépêcher d'en finir vite avec ces souvenirs avant que mes images ne s'envolent.